On dirait que... Oh non, je sais pas. On va faire une petite expérience. Prenez un papier et notez dessus vos trois peurs principales. La plupart d'entre vous auront répondu que vous avez peur de la mort, de parler en public et peur des araignées ou une quelconque phobie. Ça, ce sont des peurs paravent. Ce sont les peurs qu'on met en avant pour se protéger et rester fort. C'est une peur qui met les autres comme responsables de ce qui vous arrive. C'est encore une position de victime. Pour la peur des araignées, c'est l'araignée qui vous attaquerait. Pour la peur de parler en public, c'est le public qui vous jugerait. Et pour la peur de la mort, c'est l'inconnu, quelque chose qui vous tomberait dessus et on ne sait pas ce qui va arriver. En réalité, les vraies peurs, elles se cachent en dessous de ces peurs paravent. Donc, si vous avez peur de parler en public, mettez la séquence de trois mots suivants. Je me sens, et puis rajouter quelque chose pour savoir en quoi parler en public correspond à votre peur. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, quelle phrase vous pouvez dire qui commence par « je me sens » pour exprimer cela? Par exemple, quand vous parlez en public, « je me sens ridicule, je me sens faible, je me sens angoissé ». C'est alors à la suite de cette séquence de trois mots que vous avez votre vraie peur fondamentale. Et en général, ce sera « je me sens trahi, je me sens rejeté, je me sens abandonné, je me sens soumis, je me sens humilié ou je me sens faible ». Vous pouvez donc prendre ces trois peurs que vous avez notées sur papier et réfléchir à quelle est la peur sous-jacente, la peur qu'il y a en dessous de ce que vous avez noté. Si vous avez noté « j'ai peur des araignées », eh bien, vous commencez votre phrase par « je me sens ». Vous ne pouvez pas mettre « peur des araignées », vous ne pouvez pas mettre « parler en public ». Non, vous devez mettre « je me sens faible ». Vous vous sentez faible quand vous voyez une grosse araignée qui va vous mordre et quelque part, c'est tout à fait normal de se sentir faible parce que l'araignée va peut-être vous piquer et vous faire mal. Et donc, dans ce cas-là, c'est très intelligent d'avoir peur parce que ça va peut-être vous sauver la vie. Et donc, à ce niveau-là, c'est une peur qui est très utile. Par contre, il y a beaucoup de peurs qui correspondent à des blessures d'enfance et que vous pouvez travailler et vous pouvez dépasser ces peurs. Donc, pour récapituler, premièrement, vous devez trouver la réelle peur qui se cache sous votre peur. Deuxièmement, vous devez assumer cette peur, cette fragilité, cette blessure que vous ressentez, reconnaître que c'est vous. Une fois que vous avez reconnu que c'est bien votre peur qui vous concerne et qui vous touche, qui vous fait mal, après vous devez l'accepter et choisir si vous voulez dépasser cette peur ou si vous vous acceptez tel quel, tel que vous êtes. Vous avez donc maintenant tous les outils nécessaires pour travailler sur vous lorsque vous êtes confronté à des choses qui vous font peur, pour savoir d'où vient cette peur et comment la dépasser en travaillant sur vous-même. Si vous vous sentez humilié par rapport à une situation, demandez-vous qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez humilié. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose de l'enfance? Et si oui, c'est le moment alors de travailler sur vous et de vouloir ou non vous dépasser. Ça marche pour toutes les situations. Mettez toujours « je me sens » devant pour découvrir en quoi cette situation vous concerne personnellement.